surprise. Que reste-t-il nos amours? Surprise. Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non, mais attendez, un passe. Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. C'est pas la première fois, hein. C'est une vraie passoire là-bas. On peut pas lancer un avis de recherche? À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on peut pas faire pareil? Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas, hein? On voit tout, nous, ici. Et une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Putain, tu as reçu une carte postale de ma grand-mère? Voilà, faut que t'y ailles, faut que tu mènes l'enquête. Excusez-moi. Vous voulez vous suicider? Non. Parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici. Hein. Alors écoutez, moi je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais moi en tant que professionnelle, je suis obligée de vous prévenir. Donc on longe la falaise comme ça, tac. On arrive ici, on saute, hein, on est venu pour ça. Sauf que en cas de vent, retour en arrière. Là je compte pas me suicider, en fait je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie. Je... Ah bah il faudrait le dire à votre visage alors, parce que là on peut pas deviner. Hein. J'en peux plus qu'on décide tout pour moi. Tu comprends? Elle a du caractère, ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Allez, à ta grand-mère.